Maintenant, c'est au tour de Bertrand François. Oh, ce ballon a dû être enduit d'huile ou quelque chose comme ça. Il est tout glissant. Oh, zut! C'est presque rentré. Non, c'est bon, arrête. Je tiens absolument à te féliciter, Bertrand François. Me féliciter? Moi, c'est vrai, mais pourquoi? Parce que tu as réussi à ne jamais être blessé tout en restant 4 ans sur le banc des remplaçants sans jouer un seul match de basket. Oh, tu ne trouves peut-être pas ça drôle, mais moi si, et je comprends que pour toi, en fait, ça ne le soit pas du tout. Bien que j'apprécie votre manière franche et détournée de me dire des choses difficiles à entendre, il n'en reste pas moins que c'est quand même une réalité dure à accepter. Croûte, on devrait faire quelque chose pour l'aider. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, je suis bon à rien faire. On dit bon à rien. Hein? Je suis même mauvais en français. Fais pas cette tête, Bertrand François. Tu dois trouver le truc en quoi t'es bon. Il y en a forcément un. Je dois trouver un truc. Écoute, tout le monde a un truc. Quelque chose en quoi on est bon, qui nous différencie des autres. Hey, 2 points. Comme Victor, son truc, c'est de marquer un panier en étant dos au panneau. Le truc d'Enzo, c'est le skate. Et celui de Manetti... Ah, c'est jongler avec ses camarades de classe. Tout le monde a un truc. Et c'est quoi, tiens? Oh, j'ai pas de truc en particulier, je veux me fermer aucune porte. Mais il y a une chose à laquelle je me consacre. C'est la lutte contre toute forme d'injustice. J'aide les plus petits à se lever et à dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà, ce genre de truc, quoi. Je suis un des petits dont tu parles? Oui, tu en fais partie et on va t'aider à trouver ton truc. Mais ce sera pas facile. Bertrand François est plutôt du genre maladroit. Tu sais, je suis là, hein. Eh bien, ce n'est pas le ping-pong. Oh, crampe! J'arrête. Ce n'est pas le karaté. J'y arrive. Tomber, ça peut être un truc. On devrait essayer d'autres disciplines. J'ai contacté des amis que j'ai dans le club cinéma pour que tu puisses y entrer. Salut Bertrand François. Alors, il paraît que tu sais faire de super films. Ah bon? Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien de très important. En fait, j'ai toujours voulu réaliser des films. J'ai un regard très... Tu parles trop là. D'accord. Oui, et j'ai beaucoup d'expérience. Je suis sûre que tu connais ce petit bijou, la micro-caméra numérique HD multiformat 3.0. La 3.0? Mais bien sûr, j'adore la 3.0. Il y a longtemps, j'ai fait un film en Afrique avec elle. Elle vient de sortir. Ouais, c'est pas croyable. Ce petit bijou, est-ce qu'il se fait de mieux? Oui. Désolé. Attends, je t'aide. La bouteille d'eau. Les écrans. Oh, Bertrand François, le compteur a encore disjoncté. Menu spécial coupure de Bertrand François. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Visiblement, tu n'es pas fait pour être derrière la caméra. Je crois que tu serais sûrement mieux devant. On va t'emmener faire un essai au club de théâtre. Je sens que ça va bien se passer. Oh, je pourrais jamais jouer devant des gens. Je serais paralysée par le trac. Non, tu vas être génial. Il ne joue pas à la comédie. Vous voyez, je ne pense pas que je sois fait, comment dire... pour ce genre de choses. Ça paraît évident. Tu as fait une prestation très convaincante, Bertrand François. Et tu sais quoi? C'est ce que tu vas continuer à faire. Pour quelle raison? On a réussi à t'inscrire au club d'éloquence. Ce n'était pas facile. Tu crois vraiment que c'est mon truc? Mais oui, Bertrand François. Tu sais, il est important de savoir manier les mots. Quelques remarques pertinentes suffisent à déstabiliser le plus coriace des adversaires. Et ça, c'est inné chez toi. Le sujet de notre conversation, les uniformes scolaires. Choisissez votre point de vue et débattez. Bonjour, je m'appelle Gladys. Je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Je trouve inadmissible qu'il y ait des différences entre les élèves en fonction de leur tenue vestimentaire. C'est quoi le sujet déjà? Et à partir de là, ça a été de pire en pire. La chorale. L'esprit du collège. Wow! Ouais! L'esprit du collège!
Ne t'angoisse pas, Bertrand François, on va trouver ton truc, je te le promets. En fait, son truc n'est peut-être pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Justement, et dans la mesure où tu es quelqu'un de particulier, on va essayer quelque chose d'un peu plus... Ça suffit. J'en ai assez de chercher mon truc. Bertrand François, attends. Incroyable, j'arrive même pas à donner un coup de pied dans une canette. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que vous faites là? C'était carrément... Mais c'est ça ton truc! Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ce truc? C'est la première fois que je vois cette radio. C'est la première fois que j'entends cette chanson. C'est la première fois que je danse dessus. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es un grand et très étonnant danseur. Le monde entier doit le savoir. Oh non, je n'arriverai jamais à danser comme ça devant un public. Vous avez vu à quel point j'ai le trac. Mais c'est vrai que lorsque j'entends cette chanson, je suis complètement transportée. Eh bien, si Bertrand François ne va pas vers les gens, il va falloir que les gens aillent vers Bertrand François. Une fête incroyable. Hey, venez tous à la fête. Qui est libre en fin de journée pour faire la fête? Tu veux venir à la fête? Viens à ma fête. Une fête, je suis invitée. On n'invite jamais aux fêtes. Aujourd'hui, tu l'aimes, mon pote. Et on va faire un grand voyage. Oh oh, hein? Alerte rouge. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je ne suis pas invitée à cette fête? Bienvenue, mon pote. J'espère que tu vas t'éclater. T'as apporté tes chaussures de danse? Écoute, je comprends peut-être pas toujours tout, mais... Oui, je confirme. Mais là, je vois clairement, vous voulez en venir. Vous n'arriverez jamais à me convaincre de me laisser aller devant tout le monde. C'est ce qu'on va voir. Salut! Pourquoi n'ai-je pas été invitée à cette fête? Pour tout te dire, Gladys, c'est une fête pour ceux qui aiment se laisser aller sur la piste de danse. Ou pas. Enfin, peu importe. Sous-entendrais-tu par hasard que moi, Gladys, je n'en suis pas capable? Exactement. Oups, j'ai parlé à voix haute. Je danse très bien. Alors prouve-le. Comment? En dansant. En dansant toute seule? Pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas un défi à quelqu'un dans l'assistance? Si tu gagnes, tu peux rester. Oh, mais je gagnerai. Alors choisis quelqu'un et voyons de quoi tu es capable. Je peux le faire. Vas-y. Je vais le faire. Alors choisis quelqu'un et vite. Lequel d'entre vous, bande de nuls, vais-je ridiculiser? Le plan marche à merveille. Gladys va choisir la personne qui, d'après elle, danse le moins bien. Une victoire facile pour elle. Presque trop facile. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. Non, pas eux. Oh, non! Toi? Moi? Non, pas toi. Celui qui se cache derrière toi. Ah, Bertrand François. Pas moi. Gagné. Début, Bertrand Raplapla. Qu'est-ce que tu penses de ça? Allez, vas-y, passe ton div, danse. Tu as peur ou quoi? Allez, Bertrand François, fais-nous ta danse secrète. Tu vas y arriver. Bertrand François est paralysé. Il va encore vomir. Angelo, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il arrête la musique? Et la grande gagnante est... Gladys! Qu'est-ce qui lui arrive?
Il est carrément possédé. Il vit la musique comme personne. Ah, Gladys, je te remercie de nous avoir aidés. C'était vraiment une grande victoire pour Bertrand François. Ça lui a donné confiance en lui et... Ta fête était nulle et ta maison aussi est nulle. Et d'ailleurs, je m'en vais. Eh bien Lola, on dirait que Bertrand François est sorti de sa coquille et a enfin trouvé son truc. Et grâce à nous. Parce que ça, c'est notre truc. Brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé ?